Bonjour à tous, je vous retrouve, on est dans la deuxième partie d'un vlog sur le thème Made in Angers. C'est un événement qui permet de visiter des entreprises. Donc la première partie, j'ai visité deux artisans. Et donc là, dans cette deuxième partie, ce qu'on va voir, c'est ma visite du château de Briançon, qui est géré par une association. Et plus, il y a une partie hôtellerie également. Et je vais aussi vous parler de la visite des Galeries Lafayette. Voilà, j'ai fait cette deuxième partie, on va voir ça. Le château de Briançon et les Galeries Lafayette dans le centre-ville d'Angers. Et du coup, le château de Briançon, il y a une partie qui est pour l'association, où il y a des jeunes en fait qui vivent là, qui font des activités, il y a une petite ferme, etc. Enfin, voilà, ils font leur truc quoi dans leur petite vie. Et il y a aussi une partie donc hôtel, hôtellerie, avec des chambres vraiment hyper sympas. Et il y a une forêt aussi autour de ce château, il y a une petite forêt. Il y a une petite chapelle, ancienne chapelle qui est devenue salle de sport, donc c'est trop drôle, c'était vraiment marrant à regarder quoi, le contraste c'est trop marrant. Donc ça c'est pour les jeunes du coup, la salle de sport. C'était chouette, intéressant de découvrir ça à 20 minutes d'Angers quoi. C'était intéressant à découvrir, en plus il faisait beau donc c'était chouette. Là, l'entrée, c'est vraiment la partie plutôt haussmannienne, l'ancien grand hôtel. Et derrière les escaliers, c'est le deuxième bâtiment qui a été construit, et plutôt architecture Eiffel du coup. Thank you.
Donc, au niveau de ma visite des Galeries Lafayette, ce qu'on a vu au départ, en fait, c'est l'histoire. On a commencé dehors, en fait, devant les galeries, et on nous a expliqué un petit peu l'histoire du bâtiment. Voilà, les dates clés, la construction du bâtiment. En 1993, c'est quand même assez récent. C'est les Galeries Lafayette Angers, voilà, officialisation. En fait, là, ce qu'ils ont fait en 2018, c'est qu'ils ont ouvert tout ce qui est fenêtres. Voilà, avant tout était fermé, il y avait des cabines d'essayage devant. Voilà, ils commencent à chaque étage à ouvrir les fenêtres, ils enlèvent les faux plafonds pour vraiment récupérer la hauteur sous plafond. L'histoire de la place du ralliement, donc en fait il y avait plein d'églises à la place du ralliement et des petites ruelles, et en gros on pouvait se faire embêter sur dans ces petites ruelles. Et avec la Révolution française, ils ont tout démoli. Et la place a pris le visage architectural dans le style haussmannien. Donc au départ, c'était un grand hôtel. Et derrière, il y avait un jardin public. Et après, ils ont racheté le jardin public. Et en fait, à la place du jardin, ils ont créé un deuxième bâtiment vraiment collé au grand hôtel. Et dans le style plutôt Eiffel pour le coup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous intéresse, que ça vous fait découvrir cet événement Made in Angers si vous ne connaissez pas et que vous êtes de la région. Je trouve que c'est super intéressant de découvrir d'autres secteurs avec des pratiques peut-être différentes et qui peuvent nous inspirer en fait. Ça me donne des idées, ça élargit mon champ de vision quoi, c'est ça le but. Donc j'espère que cet aperçu de mes visites vous a plu, puis je vous dis à bientôt. Salut !